que nous sommes déjà connectés pendant ce moment? Est-ce qu'un révolutionnaire est déjà connecté ensemble avec nous? Un révolutionnaire est déjà connecté dans la puissance et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, car cependant ce moment que la parole de l'Éternel sur le couronnement va s'accomplir dans votre vie, car cependant ce moment que la parole de l'Éternel sur le couronnement ainsi va voir son accomplissement dans votre vie, alors que vous êtes en train de m'écouter, alors que vous êtes sous le son de ma voix, l'Éternel a mandaté un tourbillon là où vous êtes connecté ensemble avec moi, là où vous êtes connecté ensemble avec moi, l'Éternel a mandaté un tourbillon tout autour de vous, un tourbillon qui va déraciner et détruire ainsi ce que l'ennemi Satan avait mis à l'œuvre au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans une chambre que l'Éternel est en train de m'amener, lorsque nous sommes en train de percevoir le lit, lorsque nous sommes en train de voir le lit et que nous avançons, il y a ainsi un tiroir. Et dans ce tiroir-là, dans cette chambre que nous sommes en train de voir, là où vous êtes connectés ensemble avec nous, l'Éternel est en train de libérer un fléau énorme dans le camp de vos adversaires. L'Éternel est en train de libérer un fléau énorme dans le camp de vos adversaires. Alors que vous êtes connectés ensemble avec nous, la sœur Christiane et la sœur Hélène, nous vous saluons dans la faveur et dans la grâce de Dieu. L'Éternel est en train de libérer un fléau énorme, un fléau dans le camp de vos adversaires. Un fléau dans le camp de vos adversaires. Un fléau énorme dans le camp de vos adversaires. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la sœur Christiane, nous entrons dans une vision et nous sommes en train de voir un certain nombre des esprits en train de vous suivre. Est-ce que la sœur Christiane est connectée ensemble avec nous? Un certain nombre des esprits en train de poursuivre votre vie. Et parmi les esprits qui sont en train de poursuivre votre vie, il y a un esprit de divorce qui est en train de réclamation sur le divorce, qui est en train de poursuivre votre vie, Est-ce que nous sommes là? Mais pendant ce moment et pendant ce sacrifice, l'Éternel est sur le point d'écrire une histoire nouvelle sur vous. Pendant ce moment, l'Éternel est sur le point d'écrire une histoire nouvelle qui commencera avec vous. Pour toutes les personnes connectées, je suis en train de prier qu'une nouvelle histoire soit écrite par l'Éternel des armées. Que l'Éternel puisse écrire une nouvelle histoire, une histoire nouvelle, une histoire de choses exceptionnelles. Radu de Dilesaplo et de Rasia, une histoire qui changera votre vie, une histoire qui vous donnera un autre nom, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un nom nouveau dans votre vie, un nom nouveau, une histoire nouvelle, une histoire de couronnement. Maintenant, je vous désolidarise, au nom de Jésus-Christ, à tout le mauvais couronnement, à toute mauvaise couronne
couronne d'épines qu'on a placée sur votre tête. Toute mauvaise couronne qu'on a placée sur votre tête. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous sommes en train de déclarer. Nous sommes en train de déclarer. La qui de radia sople de rebosa. Le dali de la hâte l'eau de prébranonce capre de rebosa. Nous sommes en train de déclarer par la puissance et par la gloire de Dieu, par la puissance et par la gloire de Dieu, par le rugissement du lion de la tribu de Juda, qu'une histoire nouvelle commence. Que le fléau puisse frapper vos adversaires et vos ennemis le plus entêtés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Jérémie chapitre 1er, le 10e verset, l'Éternel est en train de dire dans votre vie, l'Éternel est en train de déclarer, regarde, je t'établis aujourd'hui sur le nation. L'Éternel est en train de dire sur votre vie et sur votre destinée, regardez, il vous établit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éternel vous établit sur votre famille. Aujourd'hui, l'Éternel vous établit sur votre famille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous allez oindre ainsi. Vous allez oindre, chers révolutionnaires. Vous allez oindre votre front et vos pieds, s'il vous plaît. Car la plante de vos pieds, s'il vous plaît. Car l'onction que vous êtes en train d'utiliser maintenant, c'est l'onction exceptionnelle et l'onction puissante d'établissement où l'Éternel vous établit. Il vous établit aujourd'hui sur votre famille. Il vous établit comme un spectre. Il vous établit comme une autorité spirituelle. Il vous établit comme un maître, comme un chef de terre, comme un chef de terre, comme un chef de terre, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'Éternel vous établit aujourd'hui comme un chef de terre, comme un chef de terre, comme un chef de terre, que vous êtes appelé à avoir vos propres terrains, à avoir votre propre terre, à acheter votre propre maison, la sœur Christiane, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous êtes appelé ainsi maintenant à être établi, sur votre famille. Vous allez oindre votre front et la plante de vos pieds. Et alors que vous êtes en train de déclarer cela, vous êtes en train de dire que maintenant, par cette onction, je suis établi aujourd'hui sur ma famille. Je suis établi aujourd'hui sur ma famille. Je suis établi aujourd'hui sur le nation. Je suis établi aujourd'hui sur le nation et sur le royaume. Je suis établi aujourd'hui dans ma famille comme étant un signe. Je suis établi aujourd'hui dans ma nation, dans ma famille, comme étant un signe de lumière. Oui, chers révolutionnaires, vous êtes un signe de lumière. Vous êtes un signe de lumière. Vous êtes un signe de lumière. Dans la famille, le couronnement est en train de venir. Le couronnement, nous sommes en train d'organiser maintenant le couronnement dans votre vie, dans votre famille, dans votre destinée. Alors que nous sommes en train de parler de cela, spirituellement, nous sommes avec des anges. Et les anges qui sont en train de venir vers vous, de vous récompenser, par le couronnement, de vous donner cette couronne, parce que cette couronne vous appartient, de vous donner la supériorité dans la famille, la supériorité financière, la supériorité matérielle, la supériorité dans le domaine du travail, la supériorité exceptionnelle. Vous allez déclarer après moi, je suis établi dans la dimension de la supériorité. Spirituellement, nous sommes avec des anges. Et ces anges
qui viennent vers vous pour récompenser avec une couronne au travers de cet autel. Cet autel est en train de crier. Cet autel est en train de crier. Cet autel est en train de crier. Est en train de crier pour le changement dans votre vie. Est en train de crier pour la transformation de votre vie. Que rien ne sera plus comme auparavant. Pour la transformation exceptionnelle de votre vie. Cette couronne, laisse l'idéal. Cette couronne est en train maintenant de crier. Cette couronne est en train maintenant de crier pour toutes les personnes connectées en ce moment. Cet autel est en train maintenant de crier sur vous. Je viens imprégner cette prière et cette déclaration dans votre esprit, dans votre corps, dans votre esprit. J'imprègne cela dans votre corps, dans votre esprit, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que vous puissiez régner là où les autres n'ont pas pu régner, que vous puissiez régner. Chers révolutionnaires, nous sommes en train de voir quelque chose. Nous sommes en train de voir quelque chose. Ce que nous sommes en train de voir, c'est que dans le domaine de votre travail, la personne qui régnait spirituellement, la personne qui dominait spirituellement, il y a maintenant un changement qui est en train de se faire. Et ce changement est que vous devenez, par la puissance et par la gloire de Dieu, vous devenez maintenant la personne qui dirige spirituellement le travail, qui domine sur les autres. Parce que lorsque la couronne est placée sur votre tête, vous êtes appelé à dominer. Vous êtes appelé à dominer maintenant l'onction que vous avez placée sur votre front, sur la paume, sur votre front et ainsi sur la plante de vos pieds. C'est une onction qui vous fait maintenant, qui vous fait prospérer. C'est une onction qui vous fait dominer. Je suis en train de prier en ce moment que vous puissiez dominer les esprits maléfiques des eaux. Que vous puissiez dominer les esprits maléfiques des sirènes. Que vous puissiez dominer et que votre autorité spirituelle puisse monter plus que le mami Wata, plus que le tati Wata, plus que les sirènes des eaux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, montez maintenant dans la spiritualité de Christ, dans la spiritualité de Christ. Montez en ce moment par la puissance de Dieu, dans la spiritualité de Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Montez maintenant dans une nouvelle dimension, dans la dimension plus que les sirènes des eaux, dans la dimension plus que les démons, dans la dimension, plus que les prêtres et les prêtresses maléfiques de votre famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, regardez, l'Éternel vous établit aujourd'hui sur votre famille. L'Éternel vous établit aujourd'hui sur votre travail. L'Éternel vous établit aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Pourquoi est-ce que l'Éternel vous établit sur les nations et sur le royaume? Pourquoi est-ce que l'Éternel vous établit et vous a choisi aujourd'hui au travers de plusieurs membres de votre famille? L'Éternel vous a choisi pour que vous puissiez arracher et que vous puissiez abattre. Vous pouvez déclarer après moi, pour que j'arrache et pour que j'abatte. Vous pouvez encore le dire avec force, pour que j'arrache, pour que j'abatte. Alors que vous êtes en train de répéter cela, vous êtes en train d'arracher et d'abattre les racines de problèmes, de couronnes d'épines, la racine de la honte du célibat, la racine de la honte de la soumission. Où vous êtes dans le travail, vous êtes
dans une soumission spirituelle où il y a de personnes qui vous soumettent spirituellement. Il y a de personnes qui empêchent votre montée. Pendant ce programme, l'Éternel est en train d'engager les armées célestes exceptionnelles qui font de vous la tête. Les armées célestes exceptionnelles qui font de vous la tête et la couronnée dans ce travail, la couronnée dans votre famille. La couronne vous revient de droit. Les Sakuraba et les Rassot, pour que vous puissiez arracher, pour que vous puissiez abattre, pour que vous puissiez arracher, pour que vous puissiez abattre. La première des choses que l'Éternel est en train de faire en ce moment, alors que vous êtes en train de répéter cela, c'est pour que vous puissiez arracher, que vous puissiez arracher. Vous allez déclarer après moi, pour que je puisse arracher, arracher. La deuxième des choses, c'est pour que vous puissiez abattre, abattre les géants, le démon géant qui s'élève contre vous. Dans le live précédent, nous avons parlé des anges de l'Éternel qui sont géants. Et les anges de l'Éternel qui sont géants, ils sont en train de vous accompagner vers le combat contre le démon géant, contre le problème générationnel, le problème qui a commencé en 1948. Ce problème-là qui a commencé avant votre naissance en 1948, 1950, avant même que vos parents puissent naître, ce problème générationnel, cette la sous de plaie de rebosha, la atula ni annonce qui brède de rebosha. Nous sommes en train d'entendre un nom, et ce nom, nous sommes, mon esprit essaie de capter cela très clairement, mais ce nom, c'est un nom, les noms qui commencent par la lettre T, O, lettre T, et après c'est la lettre O. Nous essayons de capter cela dans le royaume spirituel. C'est comme le nom d'une nourriture, c'est comme le nom de quelque chose que nous sommes en train de vouloir capter cela. Car en ce moment, le problème qui a commencé avant votre naissance, avant la naissance de vos parents, maintenant est en train d'être réglé. Les anges géants, les êtres divins, géants de l'Éternel, sont maintenant en train d'aller en guerre avec les démons géants, les noms comme Tofu, je ne sais pas si j'essaye de capter si cela est le nom d'un village ou le nom de quelque chose que nous sommes en train d'essayer de capter cela dans le règne spirituel. Les Sadurabasia, maintenant, alors que la voix de l'Éternel est en train de se faire entendre, la voix de l'Éternel déclare que vous êtes la personne couronnée. La voix de l'Éternel déclare que vous êtes dans le processus de votre couronnement. Vous êtes dans le processus de vivre le couronnement. Vous êtes dans le processus où le démon géant, le problème générationnel commence à tomber au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Avant votre naissance, 1948, avant la naissance même de vos parents, ce problème qui s'est enraciné dans votre vie, la première des choses qui s'est fait maintenant, c'est que vous arrachez tout le poison maléfique qu'on a placé sur votre corps, tout le poison maléfique qu'on a placé sur votre vie, afin que vous ne puissiez pas vivre tout le jour que l'Éternel a destiné pour vous. C'est ainsi que l'ennemi a placé une bombe à retardement dans votre corps. Une bombe à retardement dans votre corps. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, en ce moment, cette bombe à retardement est en train maintenant d'être arrachée. Cette bombe à retardement est en train maintenant d'être arrachée. Vous arrachez maintenant tout poison
tout poison qui pollue votre sang, tout poison qui pollue votre destinée, qu'après ces moments, que vous puissiez vivre la purification et le couronnement de votre destinée, que vous puissiez abattre, que vous puissiez abattre, que vous puissiez abattre, abattre, abattre les trônes maléfiques de la famille, le trône maléfique du territoire. En parlant de trône maléfique du territoire, nous sommes en train de voir dans une vision un trône maléfique. Un trône maléfique sur une terre. Un trône maléfique sur une terre. Et lorsque nous sommes en train, nous, avec le Saint-Esprit, d'aller sur cette terre, nous sommes en train d'aller sur cette terre. Et ce trône est dirigé par une personne. Ce trône est dirigé par un homme esprit. Par un homme esprit qui est en train de diriger tout un quartier, qui est en train de diriger toute une terre. Car pendant ce moment que nous sommes en train de parler de cela, le Saint-Esprit est en train de nous amener dans ce moment, dans ce trône, et que cela maintenant soit abattu, arraché et abattu. Rabassou de Plideras, les Sadoula à tout la main, il la baisse. La haute, il est guidé la souple, les eaux de proca et de remonce, la haute la souple. Maintenant que vous recevez l'onction pour abattre, pour arracher et abattre, arracher et abattre tout trône maléfique se trouvant dans votre territoire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout trône maléfique se trouvant dans votre territoire, que vous puissiez arracher et abattre cela, pour que vous puissiez, la troisième des choses qui est en train de se faire en ce moment, c'est pour que vous puissiez ruiner. La troisième des choses qui est en train de se faire en ce moment, c'est pour que vous puissiez ruiner. L'Éternel dit, pour que tu ruines, pour que vous puissiez ruiner et que vous puissiez détruire, ces trônes maléfiques, pour que vous puissiez détruire des antennes maléfiques, des antennes sorcelleriques. Laisse Ipala double rebosa rababanumbre le ridarese, pour que vous puissiez détruire ces trônes maléfiques. La sous de plerebosa, un trône maléfique. Un trône maléfique est en train maintenant d'être brisé et de tomber en ce moment. Lorsque nous parlons de cela, nous sommes à Versailles et dans plusieurs lieux simultanément, quand nous sommes dans ce lieu, et l'Esprit de Dieu a mandaté les anges géants pour abattre les trônes, pour détruire le trône, pour abattre, pour ruiner, pour détruire les trônes maléfiques, pour détruire les chefs de terre, pour détruire les chefs spirituels maléfiques de votre famille. Tout celui qui s'est autoproclamé chef spirituel de votre famille est maintenant détruit, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous allez déclarer après moi que le feu de l'extermination maintenant puisse arracher, puisse abattre, puisse ruiner et détruire les chefs maléfiques spirituels de la famille, qu'ils tombent au Éternel, tous ceux qui contrôlent les entrées et les sorties, dans la famille. En parlant de cela, je voudrais parler d'un révolutionnaire
des révolutionnaires selon une vision. C'est que normalement votre fille a un proposant. Normalement votre fille a un proposant et que les choses doivent maintenant aller à l'amiable concernant votre fille. Les choses doivent aller dans la direction du mariage. Mais maintenant, lorsque je parle de cela, je suis dans une réunion maléfique où ils sont en train de barrer ce mariage. Parce que nous voyons un très beau mariage au devant de nos yeux. Un très beau mariage et un très glorieux mariage au devant de nos yeux. Mais que les esprits sont en train de barrer cela. De barrer cela. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est ainsi que je prie et je prophétise que tout ce que les esprits ont barré dans votre vie, tout ce que les esprits maléfiques ont arrêté la progression dans votre destinée, commence maintenant à prendre en marche. Dans le passé, on vous a empêché de rencontrer l'homme idéal pour vous. Dans le passé, on vous a empêché de monter dans certaines dimensions financières. C'est ainsi qu'en ce moment, tout ce qui a été mis en pause, tout ce qui a été mis en destruction est en train maintenant d'être bâti, d'être bâti. Tout ce qui a été mis en pause est en train maintenant de progresser. Un nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout événement glorieux dans votre vie, cher révolutionnaire, lorsque un événement glorieux, de très bonnes nouvelles est en train de venir dans votre vie, c'est seulement pendant ce moment-là que les événements sont cancels, que les événements sont reportés. C'est tout le monde qui est promu dans le travail. Mais seulement votre promotion est en train de tarder. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux, pendant ce moment, au nom de Jésus-Christ, vous allez sentir une sensation entrer dans votre corps, car c'est pendant ce moment que l'Éternel est en train d'appeler à l'existence tout ce qui n'existait pas dans votre vie. Vous allez sentir des sensations sur votre corps, la chair de poule sur votre corps, car l'Éternel est en train d'appeler à l'existence tout ce qui n'existait pas dans votre vie, tout ce que l'ennemi a interdit, tout ce que l'ennemi a détruit, tout ce que l'ennemi a ruiné dans votre vie. L'Éternel appelle cela à l'existence maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est pour que vous puissiez ruiner, pour que vous puissiez détruire, pour que vous puissiez bâtir et que vous puissiez planter. En ce moment, nous sommes en train de planter des plantes. Nous sommes en train de planter un arbre de vie dans votre vie. L'arbre du couronnement qui donnera des fruits en or. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant, l'Éternel des armées vous a donné, vous allez répéter après moi, l'Éternel des armées m'a donné le pouvoir de posséder les portes de mes ennemis. Dans Genèse, le chapitre 22, le 17e verset, l'Éternel des armées, le Dieu de mon couronnement, m'a donné le pouvoir de posséder les portes de mes ennemis. Dans Genèse 22, le 17e verset. En plus de cela, l'Éternel met sur mon épaule la clé de la maison de David. En plus de cela, vous allez répéter après moi, l'Éternel met sur mon épaule la clé de la maison de David. Afin que lorsque j'ouvre, que nul ne peut fermer.
Vous allez répéter après moi, afin que lorsque j'ouvre, nul ne peut fermer. Et quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Avec les clés de David entre mes mains, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je me tiens devant maintenant. Je me tiens devant la porte de mes ennemis. Je me tiens devant ma cérémonie de couronnement. Ma cérémonie de couronnement. Et je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les chefs de terre, la couronne d'épines qu'on a placée sur ma vie pour que ma vie soit médiocre. Chers révolutionnaires, il y a certaines personnes, vous vivez selon le plan social, vous êtes en train de vivre moyennement, alors que spirituellement, c'est que vous êtes en train de vivre moyennement et du point de vue médiocre. Parce que l'Éternel a destiné pour vous de très grandes choses, de très grandes ouvertures. Et c'est que vous êtes en train de vivre, que vous voyez ça va dans ma vie, or que spirituellement, vous êtes appelé à vivre plus que ça. Bien plus que ça. Et c'est ainsi que vous êtes sous le seuil de la médiocrité. Que pendant ce moment, que l'onction de l'Éternel descende pour briser le couronne d'épines, pour briser la dimension de la médiocrité. Que vous puissiez entrer dans la dimension de la couronne, dans la dimension de l'excellence, l'excellence de vision, l'excellence de révélation, l'excellence dans les finances, l'excellence dans le travail, l'excellence dans votre famille, l'excellence spirituelle, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En ce moment, maintenant, vous allez répéter après moi, j'ordonne aux quatre vents de l'Éternel. Chers révolutionnaires, est-ce que vous savez que l'Éternel a des vents? Et dans les quatre coins cardinaux, il y a ainsi des esprits de Dieu. Il y a ainsi les anges de l'Éternel qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il y a ainsi les anges de l'Éternel qui sont dans les quatre coins et qui dirigent la terre, qui dirigent les vents. En ce moment, alors que vous êtes en train de répéter cela, il se sent des choses que vous allez sentir spirituellement dans votre vie. Car cela commence, les vents, les quatre vents de l'Éternel. J'ordonne à cela de transporter en ce mois, de transporter en ce programme, de prière, tout ce que l'ennemi m'a empêché de toucher. Chers révolutionnaires, on vous a empêché de toucher, de voir cette cérémonie. Vous ne voyez que votre mariage en rêve. Vous ne voyez que vous êtes avec des enfants en rêve. Vous ne voyez que votre promotion en rêve. Se maintenant cette dimension, que cet hôtel vous ouvre la porte pour entrer dans la dimension de réalité, dans la dimension physique de choses, que vous puissiez palper le couronnement. Maintenant, que vous puissiez palper les cérémonies bienheureuses dans votre vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'allais encore répéter et je prie que cela s'attache à votre esprit. J'ordonne aux quatre vents de l'Éternel de transporter avec ce programme tout ce que l'ennemi vous a interdit de toucher. Que tout spectre de méchanceté, bâton de méchanceté, bâton mystique, bâton satanique, bâton des occultistes sur votre vie, maintenant, tout bâton qu'on a placé sur vous pour diriger vos enfants, pour diriger votre famille, maintenant, nous détruisons cela. Détruisons cela by fire and by force, par le feu et par la force et par les rugissements du lion de la tribu de Juda. Nous détruisons tout le bâton des chefs de terre, tout le livre des tous les livres des chefs de terre, des spectres maléfiques placés au-dessus de vous,
des spectres maléfiques placés au-dessus de vous, au-dessus de vos enfants, qui empêchent que vos enfants puissent expérimenter la gloire de Dieu. La sola badire bosha, itarabasora monderideraya, korabaside longunta ligereosa. Nous sommes en train de voir spirituellement dans un environnement, nous voyons un être, c'est comme un homme, mais cet homme a comme des ailes, mais ce sont des ailes comme des ailes comparables à des ailes de chauve-souris. Des ailes de chauve-souris. Et je comprends que cet être que je vois est un être qui est dans l'armée des ténèbres. Et cet être est en train de survoler, est en train de survoler, est en train de survoler des environnements. En ce moment, chers révolutionnaires, nous sommes en train de détruire toute influence maléfique de cauchemar, toute influence maléfique des mauvais rêves, toute influence maléfique liée à votre environnement, liée ainsi par les vents spirituels, qu'est les ailes de cet être qui est en train de survoler sur, qui est en train de survoler sur un environnement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que vous puissiez sortir maintenant, que vous puissiez sortir de cette influence maléfique, de ces mauvais vents maléfiques. Ma sole queridelas, ridelasupra, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout spectre de méchanceté, spectre de mystique, influence des ailes du dragon qui se passe sur votre avenue, sur votre quartier, qui influence votre vie, qui influence vos percées. Nous sommes en train de détruire en ce moment cette influence. Nous abattons, nous venons ruiner cette influence au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout le programme que l'ennemi Satan a élaboré dans cette année, que tout mauvais programme que l'ennemi Satan a élaboré sur vous, maintenant, nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Que tout le projet des hommes rusés soit maintenant brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant, dans tout le livre maléfique où on a placé votre nom, où on a placé les condamnations sur vous, que cela maintenant soit détruit et ruiné au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute forme d'incantation, toute puissance maléfique regardant les soleils contre vous, toute puissance maléfique, toute incantation, chers révolutionnaires, nous sommes en train de prier contre toute forme d'incantation, toute forme d'incantation qu'on a placée, qu'on a libérée dans le soleil contre vos enfants, contre le mariage de votre fille, contre le mariage de vos filles, contre le mariage de votre de vos fils. Au nom puissant et précieux, Tarababa Siderebosha de Ridera et de la soupla. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous sommes en train maintenant de détruire cela. Toute forme d'incantation libérée dans le soleil contre vous, libérée dans la lune contre vous, nous brisons ces incantations, nous brisons cette puissance maléfique libérée dans le soleil, dans la journée, dans la nuit contre vous,
honneur puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute alliance maléfique avec les esprits des eaux, les alliances maléfiques avec les esprits des eaux, les alliances maléfiques avec les esprits des morts, les esprits des morts, les esprits du célibat soient maintenant brisés, soient maintenant détruits dans ma vie et dans ma destinée. Que tout le décret satanique veut répéter après moi, tout le décret satanique dans le ciel contre ma vie, contre ma vie, vous allez déclarer après moi en citant votre nom, que tout le décret maléfique dans le ciel contre RMK, tout le décret maléfique dans le ciel contre RMK soit maintenant ruiné, soit maintenant détruite par la puissance, la gloire de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute forme d'enchantement de minuit, d'enchantement de 3 heures, d'enchantement de 4 heures contre ma maison, contre ma destinée, contre mon travail, contre ma promotion, contre mon succès, contre mon épanouissement, contre mon mariage, que cela soit brisé et détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que nous sommes en train de parler de cela, nous sommes en train de briser complètement, complètement toutes les incantations qui ont été faites contre vous, les imprécations contre votre maison, contre votre destinée, contre votre promotion, contre votre succès. Que cela meure, 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 que cet autel puisse maintenant fermer les portes au célibat, que cet autel puisse maintenant fermer les portes spirituelles comme physiques du célibat, que cet autel puisse fermer les portes spirituelles qui donnaient accès aux démons dans votre vie, aux démons dans votre vie. Chers révolutionnaires, vous allez toucher votre nombril. Alors que vous allez oindre votre nombril, il y a des choses qui sont qui vous connectez à un cordon ombilical qui vous connectez ainsi aux origines maléfiques de votre famille, de votre terre. Alors que vous avez oint votre cordon ombilical et vous avez placé un doigt sur le cordon ombilical, maintenant, en ce moment, vous vous désolidarisez. Maintenant, vous allez déclarer après moi, je me désolidarise des malédictions de ma terre, de malédictions de mon pays, de malédictions de ma patrie, de malédictions de mon quartier, de la malédiction de ma famille. Maintenant, je me désolidarise de la malédiction de couronne d'épines, de la médiocrité. Maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant, je me sépare des mauvaises origines, des origines maléfiques qui placent ma vie dans cette situation. Je me sépare des origines de la pauvreté. Je me sépare des origines de couronne d'épines. Je me sépare fortement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Plusieurs personnes, alors que vous êtes en train de mettre, vous avez mis votre doigt dans le cordon ombilical, vous allez sentir que votre ventre va tourner à l'intérieur de vous. Tout ce qui est entré dans votre corps sans votre permission, maintenant est en train de sortir. Tout ce qui est entré dans votre corps et qui est en train de pourrir, de détruire votre vie sans votre permission, est en train maintenant de sortir. C'est en ce moment le mandat d'expulsion. Lesa lokababa minkova kia meloka deploya leya baya la la baba leza diarabosha. Tout ce qui est entré
dans ma vie sans ma permission. Cher révolutionnaire, avant que le démon n'entre, il n'entre pas en demandant la permission. Ils entrent sans permission. Cela veut dire que les démons, les esprits amphibiens, les esprits des ancêtres, les esprits de personnes vivantes dans la sorcellerie qui sont entrés dans votre vie sans votre permission, sont maintenant en train de libérer in the mighty name, in the mighty name, in the mighty name, au nom puissant et précieux de Jésus. Il libère maintenant. Ils sortent par le cordon ombilical. Ils sortent au nom puissant et précieux de Jésus. Ils sortent de votre vie. Il libère tout ce qu'on a placé dans votre sein, tout ce qu'on a placé dans votre ventre sans votre permission est en train de libérer maintenant, de libérer maintenant, de libérer maintenant, de libérer maintenant. Recevez la délivrance de vos trompes. Recevez la délivrance de votre ventre. Recevez la délivrance de votre estomac. Après ces moments, chers révolutionnaires, bye bye le mot d'estomac. Après ces moments, vous n'allez plus ressentir les douleurs d'estomac. Oh non, puissant et précieux de Jésus, cet esprit maléfique de famille. Les abababosa, les ndali de rebosa de rebosa, rababosa de les bloidera. Malaisie de Ricarabos, cher révolutionnaire, cet esprit de famille qui est entré dans votre corps sans votre permission est en train de libérer complètement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cher révolutionnaire, alors que nous sommes en train de parler de ces choses, nous sommes spirituellement à Lodja. Nous entendons le nom de Lodja, le territoire où nous sommes. Dites-moi si cela vous dit quelque chose et si c'est dans quel pays, car mon esprit est en train d'essayer de capter quelque chose. Mais j'entends spirituellement dans le règne spirituel Lodja. Et nous sommes là avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a amenés pour ainsi libérer et détacher un révolutionnaire qui est attaché à ces lieux. Mais la cour d'Abaya, Ribaba Monta qui déroche. Maintenant, que tous les lieux physiques comme spirituels où on a attaché votre vie, tous les lieux spirituels comme physiques où on a attaché votre vie, maintenant, soyez détachés. La sopa, avec le Saint-Esprit, étant votre accompagnateur spirituel, je vais maintenant dans tout le lieu spirituel, dans tout le lieu physique où on a attaché votre vie. Et maintenant, les sopra karuberibosa, les abalou de prédéras, tout le lieu spirituel comme physique où on a attaché votre vie, où votre vie est restée en quarantaine, où votre vie est restée en quarantaine. Nous sommes maintenant en train de détacher votre vie, de détacher votre vie, de séparer votre vie, de séparer votre vie, de séparer votre vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, de toutes les marmites de sorciers, de toutes les marmites de sorcières où on a placé votre couronne, où votre couronne est en train de servir à la vie d'autres personnes, où votre couronne est en train de servir à la vie d'autres personnes. Pendant ce moment, que votre couronne vienne vers vous, que vous devenez ainsi comme un aimant qui va attirer des événements glorieux, qui va attirer des événements grandioses, qui va attirer la sobla, ribabosa, ridera supra, ribamonta ridebosa, rabuva kirebes, la nun kavaya, le sakuda bay, rabamosa rideroka,
Les sarubra raboshate le kanushki de broide kintaku da bleyaridera raduva teve kintavatuva kevika les saoude le plaidera raboshara que cela meurt, que cela meurt, que cela meurt, que cela meurt, que tout ce qui vous discréditait, que tout ce qui vous disqualifiait, que cela meurt. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant, maintenant, je déclare sur vous et je prophétise que le malheur ne reviendra plus. Que tout ce qui a touché à votre vie ne reviendra plus. Le démon, les esprits de famille, les esprits de personnes incarnées qui vivent dans votre corps, qui ne reviendront plus, qui ne seront plus, qui ne reviendront plus, ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, leurs réclamations sont écrites, nulles et sans effet, ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que l'onction du renouvellement renouvelle votre vie pour de percées exceptionnelles, renouvelle votre vie pour le couronnement, ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Rabo Charideraidrasia, je prie maintenant que le feu descende pour dévorer l'opposition dans votre vie. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que le feu descende et puisse détruire l'opposition dans votre vie. Les cèdres mystiques, les cèdres sataniques, les cèdres de l'occultisme, le cèdre de la pauvreté, le cèdre du célibat, le cèdre de la guerre, le cèdre de la stérilité, les cèdres de l'angoisse, les cèdres de l'inquiétude, les cèdres du malheur, de la méchanceté, les cèdres de la maladie. En ce moment, cher révolutionnaire, maintenant, nous brisons cela. Que tout le cèdre qui vous empêche à votre couronnement, cela soit brisé et que le feu descende et détruise tous les arbres maléfiques, les arbres maléfiques, les arbres démoniaques qui travaillent contre vous au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cher révolutionnaire, vous allez prendre un verre d'eau et maintenant je sanctifie, je purifie ce verre d'eau. En ce moment, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cela puisse manifester les œuvres de l'Éternel sur votre ventre, que ce verre d'eau que vous allez boire puisse maintenant faire sortir toutes ces manches qui est entré dans votre corps sans votre permission, que cela puisse servir d'un travail spirituel pour faire sortir tout ce que l'ennemi n'a, tout ce que l'ennemi a planté dans votre ventre. C'est ainsi que ce verre d'eau est un verre de guérison pour le maux d'estomac. Lorsque cela va entrer en contact avec votre estomac, ce verre d'eau maintenant, au nom de Jésus-Christ, va communiquer dans votre corps, va communiquer dans votre corps la puissance de la guérison de l'Éternel des armées. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez boire cela dans votre... Vous pouvez maintenant boire ce verre d'eau. Alors que vous êtes en train de boire cela, je suis en train de prier, car maintenant, j'envoie ce verre d'eau, qui est devenu le sang de Jésus-Christ, pour neutraliser toute puissance des ténèbres, toute puissance de ténèbres dans votre ventre, toute puissance de la maladie, que ce verre d'eau puisse maintenant, 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 maintenant neutraliser toute puissance de la maladie, toute puissance de ténèbres, toute puissance de chef de terre, tout ce que vous avez mangé en rêve, que cela sorte, que cela sorte, que cela sorte, que tout ce qu'on vous a mis dans le corps, spirituellement, que cela libère, 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 libère,
libère, libère, libère, omnipuissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vous rachète de la main de Satan. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vous rachète de la main de chef maléfique, omnipuissant et précieux de Jésus-Christ, qu'au travers de cet autel, que cet autel puisse changer votre destinée, puisse transformer votre vie en une vie couronnée, en une vie de paix, en une vie de réussite, en une vie de prospérité pour vous et pour tous vos enfants. Omnipuissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant je prophétise conformément à Jean, le chapitre 1er, le verset 51. Je prophétise et que le ciel s'ouvre en votre faveur. Que les anges descendent avec l'onction de Dieu, l'onction du couronnement sur votre vie et que vous soyez remplis de l'Esprit de l'Éternel. Que vous soyez remplis de l'Esprit de l'Éternel. Rabo Shali de Rebocha. Les Sandoulabaï de la Sop. Vous allez répéter après moi qu'au travers de ce programme, que le soleil puisse louer l'Éternel, que la lune et les étoiles de ces jours, de cette nuit, puissent louer l'Éternel et que l'atmosphère de ces jours, de mes nuits, soit maintenant, que l'atmosphère de mes jours, des saisons qui arrivent, des jours qui restent dans cette année, puissent louer l'Éternel. Que tous les arbres louent l'Éternel et que tout le monde loue l'Éternel. Que votre ciel financier, s'ouvre et que votre ciel de la promotion s'ouvre. Que votre ciel du couronnement s'ouvre. Omnipuissant et précieux de Jésus-Christ, que pendant ce moment, Rabo Salideri de Rasopra, que pendant ce moment, que les temps soient des temps et des saisons d'abondance spirituelle comme physique, d'abondance et de couronnement, des saisons d'abondance sur votre vie, de saisons de révélation, de la puissance de Dieu, de la délivrance des esprits des ancêtres, de la délivrance de la couronne d'épines. Vous entrez maintenant dans la cour des grands, dans la cour des grands, dans la cour des grands. Chauve-souris qui est le totem de votre famille maternelle, que la race, que ce totem tombe, que ce totem tombe, que ce totem tombe, que ce totem soit brisé, omnipuissant et précieux de Jésus-Christ. Que ces temps soient des temps et des saisons d'abondance spirituelle, d'abondance financière, des saisons d'abondance sur votre vie, sur votre destinée, des saisons de révélation, des saisons où vous vivez au travers le lion de la tribu de Juda, des saisons de faveur, de la santé, de la guérison, omnipuissant et précieux de Jésus-Christ. Quel est le terme maléfique de ma famille puisse tomber maintenant. Vous allez déclarer après moi quel est totem, les animaux totems maléfiques de ma famille tombent maintenant, tombent maintenant, tombent maintenant, tombent maintenant, tombent maintenant. Que cela se brise, que le totem maléfique soit maintenant tombé. Je me désolidarise de totem de famille, je me désolidarise de paroles des épées, de couronne d'épines, je me désolidarise par la puissance et la gloire de Dieu, omnipuissant et précieux de Jésus-Christ, que nous déclarons cela par la puissance et par la gloire de Dieu, omnipuissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi, fire, fire, fire.
Je veux encore déclarer avec force, fire, fire, fire. Je veux encore déclarer avec moi, fire, fire, fire. Maintenant, vous pouvez encore déclarer après moi, fire, ya, 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 ya. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que nous déclarons ainsi, amen, amen, amen. Chers révolutionnaires, dans ce groupe exceptionnel, dans ce programme exceptionnel où le totem, les chefs de terre sont en train de tomber complètement, où l'Éternel est en train de dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais les prêtres maléfiques de votre famille tomber du ciel comme un éclair. Je voyais les arbres, les sceptres, les bâtons, les totems de votre famille tomber du ciel comme un éclair. Tomber du ciel comme un éclair. Tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le ciel s'ouvre et maintenant vous vous identifiez ainsi au totem de Dieu du lion de la tribu de Juda, le lion qui rugit et qui donne de la force. Oh, nom puissant et précieux de Jésus-Christ, cher révolutionnaire, une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel, RM Kakoma. Nous sommes dans ce programme et soyez dans la paix, soyez dans la joie, soyez dans le miracle de Dieu et surtout, soyez révolutionnaire. Shalom chez vous.